Je suis né en 1898. Voilà, ma mère faisait partie de la goutte de lait. Et elle a eu le premier prix de la goutte de lait tellement que j'étais un beau bébé. En 1910, à l'âge de 13 ans, et je suis descendu à la mine au Trois de Lance, à Liévin. Alors, j'ai travaillé comme galibot. Après, jusqu'à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, la guerre 14 s'est déclarée. Alors depuis le début, on a toujours avancé. On a traversé tous les départements jusqu'à la Meuse. Là, à la Meuse, j'étais dans le secteur de Verdun. Alors là, à Verdun, j'ai combattu jusqu'à l'amnistie. J'ai travaillé à la mine, puis après je suis remonté au jour. Mais comme l'amnistie était signée, quand Lens a été libéré, tous les mineurs des environs ils sont repartis dans leur pays d'origine. Alors j'ai 42 ans de service aux mines, mais j'ai jamais été à l'abattage, j'étais pas mineur. Puis après, c'était la retraite, et puis me voilà. Ensuite, je me suis marié. Là, c'était une autre guerre. Là. Ouais. Thank you.
j'ai fait pleurer les fiancés, j'ai fait pleurer les épouses allemandes, j'ai fait pleurer les familles allemandes, j'ai fait pleurer des grands-pères, des grands-mères, mais c'était la guerre. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce matin. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille pattes. J'ai joué pendant 20 ans dans les balles. Et je tenais la batterie. J'étais un peu animateur, je chantais, et puis je tenais la batterie. Pendant 20 ans, j'ai joué dans les balles volants. Parce que dans les villages, il n'y avait pas de salle des fêtes. Alors c'était un bal en toile, un bal volant, qui allait dans tous les villages. Alors pendant 20 ans, j'aimais cette vie-là. Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont, les cannes à musette. J'ai resté 88 ans dans la rue de Lavrégain. Parce qu'avant, on disait la rue de l'Arbre de Gain. On dit rue de l'Abreguin, mais avant la guerre, c'est rue de l'Arbre de Gain. Il paraît après la Révolution, il y avait eu quelque chose, il y avait eu des fêtes, ils avaient planté un arbre. Puis l'arbre a été foudroyé, il l'a remplacé. Puis après, on n'a plus jamais parlé de l'arbre de Gain.